Troisième piège. Mutego yatatu. Exode 10, 23. Kutoka kumi makumi mbili na tatu. Quand vous entendez, quand vous comprenez bien cette prédication, wakati unaelewa mzuri mahubiri haya, les quatre volontés du diable, yale mapenzi ine ya shetani, vous comprenez que le diable est tellement rusé. Mutaelewa ya kwamba shetani ni mujanja. Exode 10, 23. Kutoka kumi makumi na tatu. C'est l'obscurité maintenant qui vient. Hapa giza ndiyo inayofika. On frappe le pays de l'obscurité. Wanapiga nchi kwa giza. Exode 10. On ne se voyait pas les uns les autres. Watu hawakuonana moja na wengine. Et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Hakuna mwenye alitoka kwenye alikuwa muda wa siku tatu. Si tu es au marché, tu passes trois jours au marché. Standing by. Unakutaniwa musoko, utabakia pale siku tatu kisimama. Sababu ya giza. Vous êtes parti à l'école, vous restez à l'école trois jours. Kama ulienda shuleni, unabaki huko siku tatu. Vous êtes allé au champ. Ulienda shambani. Le fléau arrive. Pigo linafika. Vous vous asseyez dans le champ pendant trois jours, entendant que la lumière vienne pour entrer à la maison. Unaikala mushamba, muda wa siku tatu, mpaka siku mwangazi taonekanaka. Lundi. Siku ya kwanza. Mardi. Ya pili. Mercredi. Ya tatu. Balikoma. En tout cas, ils ont souffert. Utakula wapi? Tu vas manger où? Trois jours. Siku tatu. Na giza yenye Mungu anashusha. L'obscurité que Dieu fait descendre. Ya kukomesha kiburi. Pour mettre fin. Aseme naungesimama. Et tu peux te tenir. Hautaona mwenye anakujongea. Tu ne peux pas voir celui qui est à côté de toi. Vraiment. Na hukwenda kushamba na torche. Tu n'es pas parti au champ avec la torche. Hukujiatendre. Donc na bingekuwa ni leo. Ça pourrait être aujourd'hui. Tungebakia tu tunaikala humu mkanisa. Nous pouvions rester pendant assis ici à l'église. Unasema uende ku toilette upite wapi? Tu te dis je vais aller aux toilettes mais tu vas passer par où? Na Mungu akajiarrange asibambie kama bitaisha sangapi. Amen. Et Dieu s'était arrangé de ne pas leur dire ça finira quand. Muko mnango ya giza ish, giza ish. Vous attendez que l'obscurité finisse, giza ish. Ne finit pas. Trois jours. Siku tatu zote. Mais lakini, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Nuru ilikuwa. Hallelujah. Watoto wa Israeli walibakia. Amen, amen. Amen. Quand on vous dit Goshen, munaposikia habari ya Goshen, le peuple d'Israël vivait à Goshen. Taifa la Israeli lilibakia Gosheni. Vous êtes en train de regarder l'obscurité de l'autre côté. Muko mukiangalia giza ngambo ingine. Chez vous la vie est normale. Kwenu maisha ni kawaida. Vous voulez aller en Égypte, vous êtes en Égypte, mais un pays avec des... Je ne sais pas, ce sont des saisons, ce sont des climats, je ne sais pas. Bah, enfin... Deux temps. Non. Deux temps. Chez vous, c'est l'obscurité, chez les Égyptiens. Kwa wa Misri, kuka wa giza. Chez Goshen, Goshen c'est wa la journée. Ilikuwa mchana kutwa. Vous voulez aller chez eux, ukitaka enda kwa o, vous prenez la lampe. Karibu. Unatoa ta. Écoutez, je vais vous dire. Sikia niwaambie. Pendant que le monde ne sait pas où aller. Wakati dunia hawajue kwa kwenda. Pendant que les gens ne savent pas où trouver le Saint-Esprit. Hallelujah. Wakati watu wengi hawajue kwenye wanaweza pata. Pendant que le monde ne sait pas où trouver le salut. Wakati watu hawajue kwenye wanaweza wakokea. Panaka hier on ne sait pas où aller, comment aller au ciel. Wakati fasi ingine hawajue njia kwenda mbinguni. Dieu a envoyé sur la terre un message du temps de la fin. Mungu alituma duniani ujumbe wa wakati wa mwisho. Il a envoyé une prédication pour les bouses partout sur la terre. Akatuma mahubiri kwa ajili ya bibi harusi popote duniani. Aujourd'hui, leo, c'est clair.
Nous connaissons la sanctification, c'est quoi? La justification, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit avec sensation, c'est quoi? Les sept âges de l'Église, c'est quoi? La stature de l'homme parfait, c'est quoi? Les 70 semaines de Daniel, c'est quoi? La marque de la bête, c'est quoi? La grande prostituée, c'est quoi? Comment avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment arriver dans la sanctification? L'adoption? Comment sont les gens qui sont élus? Comment l'épouse de Christ est en train de se préparer? Comment mettre l'huile dans les vases des cinq vierges sages? Alléluia! Namna kuweka mafuta ndani ya vyombo vya bikira aliye na akili. Mais ailleurs, face ingine, c'est l'obscurité. Ni giza. Demandez-leur les chemins, ils ne vous montreront pas. Même la simple différence entre Père, Fils, Saint-Esprit, c'est l'obscurité. Même la question pourquoi être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ est différent du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est l'obscurité. Tofauti gani kati ya ubatizo kati ya jina la Bwana Yesu Kristo na ubatizo kati ya jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu ni giza kwao. Amen. Amen. Mais à Goshen, lakini Goshen, c'est clair. Mambo ni wazi. C'est la lumière. Kuna nuru. Et des fois même, quand quelqu'un quitte l'Égypte, wakati mtu anatoka Misri, il arrive à Goshen, anafika Goshen, il trouve certaines choses nouvelles. Anakuta mambo yote ni mapya. Qu'est-ce que signifie le premier saut? Muri wa kwanza maana yake nini? Qu'est-ce que signifie le cavalier blanc? Mpanda farashi mweupe maana yake nini? Qu'est-ce que signifie le cavalier noir? Mpanda farashi mweusi ni nini? Pourquoi le cavalier avait la flèche? Kwa nini mpanda farashi alikuwa na upinde? Et pourquoi le cavalier avait la balance? Na kwa nini mpanda farashi alikuwa na mizani? Et pourquoi la voix dit ne touche pas l'huile? Na kwa nini sauti ilisema eti usiguse mafuta? Et qu'est-ce que signifie le sept tonnerres? Nanguruma maana yake nini? Et qu'est-ce que signifie le silence d'une demi-heure? Sasa ile kimya ya nusu saa maana yake nini? Et qu'est-ce que signifie à la voix du septième ange? Eti sauti ya malaika wa saba maana yake nini? Le mystère de Dieu serait révélé. Kwamba siri za Mungu zingefunuliwa. C'est quel mystère? Ni siri gani? Quelle est la différence entre tonnerre et saut? Ni tofauti gani kati ya ngurumo na muhuri? Et quel est le cinquième messager? Na mjume wa tano ni nani? Et qu'est-ce que signifie Smyrne? Smyrna maana yake nini? Et qu'est-ce que signifie Laodicée? Laodicea maana yake nini sasa? Et quel est le dernier ange du septième âge? Na malaika wa mwisho wa kizazi cha saba ni nani? Pour l'épouse, kwa bibi harusi. C'est clair. Mambo ni wazi. Mais chez les Égyptiens, lakini kwa wa Misri, c'est noir, 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 noir. Giza, noir, 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 noir. Giza, giza mtupu. Amen, amen. Na kuko mwenye tangia nilianza sema mpaka saa hii ni giza na iko. Et il y a celui dont depuis que j'ai commencé à parler, c'est encore l'obscurité. Et il est ici. Ah oui, oui. Iko humu. Il est ici. Mais yote niko nasema ni giza. Tout ce dont je suis en train de dire. Juu ya nini? Pourquoi? Hakubakia Gosheni. Il n'a jamais été à Gosheni. Amen. Ni makonsekansi za kubakia Misri. Hiyo ni matokeo. Ce sont les conséquences de rester en Egypte. Matokeo ya kubakia Misri. Amen. Amina, amina. Amen. Amina. Ta parole est la lumière à mes pieds. C'est psaume, non? Eti, neno lako ni nuru kwa miguu yangu ni katika Zaburi. Neno lako ni taa. Ni nuru, ni taa. Ni nuru. Kumikikosa neno, giza itakunasa. Amina. C'est l'obscurité qui va te saisir. Eh oui, oui. Goshen. Gosheni. Mapigo ziko zinapiga. Pendant que les fléaux étaient en train de frapper. A Goshen, c'est la vie. Goshen ilikuwa ni maisha. Amen. Amina. Exode 10, 24. Kutoka kumi makumbi na ine. Pharaon appela Moïse. Si yenjwa li mfukuza. Mais c'est celui qui l'avait chassé.
Pharaon akaita Musa. Kuko ma circonstances zenye shetana na kwaka oblige akuchukie akufukuze yepek. Il y a des circonstances qui poussent le diable à te haïr et te chasser seul. Oui oui. Pharaon appela Moïse et dit. Pharaon akaita Musa na kumwambia. Allez servir l'Éternel. Mwende mtumikie Bwana Mungu. Il n'y aura que vos brebis et vos bêtes qui resteront. Mutaenda lakini kondoo zenu na ngombe zenu zitabaki. Et vos enfants? Na watoto wenu. Pourront aller avec vous. Mwende nao. Tunafika ku étape ya ngapi ya négociation? Nous sommes à la quatrième étape de négociation. Ya kwanza, la première, alibambia hivi. Il avait dit ceci. Mwende, allez-y, mais murudi. Mais rentrez. Siende mbali. Et n'allez pas loin. Bakakatala. Ils ont refusé. Ya pila kabambia. Banaume tu mwende. Les hommes seulement doivent partir. Jaliwa kama mutego. Parce qu'ils savaient que bana barafiki yabo batacha banarudia. Ils ont encore des amis qui vont faire qu'ils puissent rentrer. Sari na chauffer. Quand ça va chauffer. Ana changer stratégie. Il a changé la stratégie. Ba mama ye babibi mwende nabo. Et avec vos femmes partez. Na batoto. Mwende nabo. Mwende maraba ni mwende nabo. Mais mafugo yenu. Mafugo yenu. Mais muziachi. Vos brebis et vos bœufs. Mwache mafugo. Laissez vos brebis et vos bœufs. Si vous avez na ngombe na mambusi. Nous allons garder les brebis et les bœufs. Moïse répondit. Musa kamjibu. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices. Sasa utatia. Tu mettras. Utatia toi-même de quoi faire les sacrifices. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Toi-même, tu dois nous donner ce que nous allons offrir à notre Dieu. Ne pense pas que nous quitterons ici même. Il continue. Nos troupeaux. Mafugo yetu. Iro avec nous. Tutaenda nayo. Et il ne restera pas un ongle. Hakutabaki hata kwato moja. Na lukucha. Même un ongle. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. Maana ndizo tutakao toa kwa kutumikia notre Dieu. Mungu wetu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Na mpaka tutakapofika. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Hatujui tutachagua nini kwa kutolea Mungu wetu. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Mungu akafanya moyo wa Farao kuwa mgumu na hakuachilia waende. Eh bwana. Hey. Mes amis. Mulisema seme la fois passée mulipenda seme mwende na babi bien. Vous avez dit la fois passée que vous voudriez partir avec vos femmes. Na batoto. Et vos enfants. Sawa leo mina leo mina itika. OK, aujourd'hui j'accepte. Et puis mulisema hamtabaki bila babi bien. Mwende na. Mwende na bo ras. Vous ne resterez pas avec na vos allez avec vos enfants. Mais ngombe. Mais les bœufs. Kondolo. Pussy. Les brebis. Kondolo. Les brebis. Mubini achi na mia. Vous allez rester avec moi ici. Moïse na mwambia. Moïse lui a dit. Na lukucha. Même donc na kinono chenye kilitoka kumbuzi. Même l'orteil qui est sorti de la. Tutachinyangula. Nous allons le prendre. Amen. Hatukuachie kitu. Nous ne te laisserons rien. Rien. Wewe unaweza kufika kule mjangwa. Si toi tu penses que si nous arrivons dans le désert. Tutakuwa na tolea Mungu nini sadaka. Nous offrirons à l'Éternel comme sacrifice. Sisi tunachinjaka. Nous nous égorgeons. Si moi tunalunguza. D'autres nous sacrifions. Moshi na panda. Amen. Les fumées montent. Sengine tunamwanga damu. Et d'autres nous, sasa, nous espions les wewe unapenda tuende kufanya ibada yenye haina mo kusifu Mungu na zabihu. Mais toi tu penses que nous pouvons organiser un culte qui n'a pas de sacrifice pour adorer Dieu? Non. Quatrième piège. Mutego wa ine. Ukwe naenda kusanyika. Faut aller communier. Mais via kutoa sadaka. Mais façon de d'offrir. Pana. Non. Pana. Non. Unapata ka 1000 francs ya kukula. Si tu trouves des 1000 francs, mange. Emma. Est-ce que zile franga zinakuliwaka na bana? Et d'abord, cet argent, qui les mange? Usha una Mungu anashuka na zikula. Tu as déjà vu Dieu venir prendre cet argent? Mais shetani. C'est mais le diable. Il ne peut pas te montrer la chaise sur laquelle tu es assise si, et te poser la question si c'est toi qui shetani hata kuonyesha. Il courant. C'est courant ici. Ni ya baba yako. Est-ce qu'il appartient à ton père? Non. Shetani hata kuonyesha. Le diable ne te montrera pas. Hizi ma micro zote. C'est micro que nous utilisons. Na hivi bako banatumikisha. Et tous ces appareils qu'on utilise. Wenju libileta. Est-ce que c'est toi qui les a amenés? Vous pouvez consommer ma service. Tu es en train de consommer les services. Ça va escroc moi, Yahivi. Comme un escroc comme ça. Mais quand je vous lise. Tu ne te poses pas de questions. Banabi logotaka. Où est-ce qu'on les ramasse? Vraiment. A
hautajiuliza meme. Mbona mimi naona kana kamera? Mais je vois aussi la caméra. Ilitokaka wapi? D'où c'est venu d'où? Wende meme na kumagazin. Uulize kwanza bei. Pose d'abord même la question. Na wewe sikia wanatangaza seme? Et quand tu vas tu n'as pas entendu proclamer que tunataka iuza. Nous voulons acheter la caméra. Mais je tena nakwambia. Kula franga zako. Bila bya masadaka na machakumi acha bile. Wende tu. Va seulement à l'église. Musa anamuuliza. Mimi nitakuwa nafanya ibada yenye siwezi toa kitu na libarikiwa. Kama Mungu hakunipa, sitampa binye hakunipa. Unataka ni incite moroho ya kutokuwa natoa sadaka. Na nilibarikiwa. Pendant que j'ai été béni. Hii roho unanitia mwe inatoka wapi? Maintenant cet esprit dont tu veux placer dans moi ça vient d'où? Troisième négociation. Ubembelezi wa tatu. Muende msito wake sadaka. Allez-y mais ne donnez pas l'offrande. Emma. Muende. Allez-y. Mupende vitu vya dunia sana. Les choses du monde tellement. Barafiki waache. Abandonnez les amis. Mais vitu. Mais les choses. Ubipende sana. Aime-les tellement. Ce sont des gens qui sont sauvés. Ils n'ont pas de mauvais amis. Mais matériel. Mais les matériels. Ce sont des vrais matérialistes. Mais s'il a manqué un peigné chez toi. Et c'était une soeur qui est venue te visiter. Akutane, uliweka kasupu kabwana. Qu'elle raconte que tu as mis la sauce du mari. Et que tu lui dis la sauce qui reste pour mon mari n'est pas encore venue. Et il commence même des problèmes qu'on m'a même privé la pâte. Ah. Alléluia. Amen. Ni ba matérialiste ba sana. Ce sont déjà vraiment matérialistes. Anaomba. Quand il demande. Anakusanyika. Il communique. Nanaweza imba. Et il peut même chanter. Mais bitu ya kimwili. Amen. Les choses matérielles. Bitu ya kudunia. Les choses du monde. Ibi bitu ibi. Les matériels. Ibi ibi. Haya okoka mwapi. Il n'est pas encore sauvé sur cela. Amen, amen. Anaweza unaweza mtuma na kukuzia vitu vya $300. Tu peux même lui envoyer de t'acheter les choses de $300. Anabipata mu 250. Ils obtiennent à 250. 50 hata kupatia kama. Et les 50 là ils ne vont pas te les remettre. Na natia ku poche na vile balisha kazi ya sema ni risque. Il met sur la poche et il dit ça c'est vraiment mankaji. Sema hii ni yangu hii. Ça c'est pour moi ça. Hata kuya kwambie. Silisalia ni hizi. Il y a l'excédent c'est ça. Kama tamupa kwazo. Si tu vas lui donner. Kama tamuima. Si tu ne vas pas lui donner. Na lizileta kwanza. Mais il a d'abord amené l'excédent. C'est un escroc. Mounyanyasi. Alléluia. Amen. Ni mutu anaweza fanya meme inane. C'est quelqu'un qui peut faire même inane. Haya tuwaka sadaka. Il n'a jamais même donné l'offrande. Na si kwamba iko mshomaji. Et ce n'est pas qu'il est en chômage. Non. Anapata. Il trouve. Anapataka. Mais. Pour qu'il atoche 500 francs. Pour qu'il puisse sortir vraiment 500 francs. A coupé. Weye. Toi. Weye. Toi. Anaweza kutana na weye 18h mu ville. Il peut te rencontrer à 18h dans la ville. Ma moto zinataka isha. Les motards veulent fermer. Iko na mafrancs à 300 000 francs hapa. 300 000 francs sur sa poche. Aiko za batu. Zake. Ukutoshia mo 1000 francs kwambie frère kamata moto ukimbie. Mais juste de faire sortir 1000 francs pour te dire. Au lupe bis. Jamais. Il ne peut pas. Ataitika pige pieti na weye kukonyesha kama hana. Abo, abo, abo. Accepter de marcher à pied avec toi. Woko na wewe sema nyewe wote hamuna. Sawa na mpiga kipasi bana mzimu vidula mpoche. Frère alikuwa na franga za pata hiyo. Maintenant quand on va le cogner qu'on puisse prendre cet argent dans la poche. Ndio wale watu panya ziko zinakulia lare mu matela. C'est ça ces gens là quand même les souris sont en train de coquer l'argent dans les matelas. Sema franga zilipotea humu. Oh l'argent est disparu. Franga zilikuliwa humu. On a mangé mon argent. Chéri zilikuliwa na batoto. Mais ce sont les enfants qui ont mangé cet argent. Sema pana mapanya zilikula ditwa. Non ce sont les souris les rats qui ont mangé. Zilizikula sanga. Mais les rats ont fait. Toi, tu ne savais pas que l'argent est dans les matelas. Chérie, tu commences à mettre l'argent dans les matelas pendant que nous passons ventre creux ici. À ta coutesse, il va te faire. Naouko Mounyumba, pendant que tu es dans la chine, tu passes la journée ventre creux. Ataki Kata Moubié à $100. Il ne veut même pas seulement échanger son billet. Anaïona, il vient à Yaboudou. Son billet comme ça. Nikitosha mo $5 ya ration. Je ne peux pas soutenir $5. Ile projet si taifikia. Zitakuwa 95. Vraiment ça va rester $95. Ah bon?
Batoto bana la lanjala. Les enfants passent ventre. Batoto bana shindanjala. Les enfants passent la journée ventre. Bibiko na mimba. La femme est enceinte. Mungu baba. Unaona macho ya binanza kwa blabla. Tu commences à constater que les yeux des femmes de la femme deviennent blancs. Damu inakauka. Le sang commence à diminuer. Aba wezi vunja billet ya 100. Mais on ne peut pas échanger un billet de 100 dollars. Ah bon? Bako ku 3e degré. Ils sont au 3e degré. Pepo ya franga. Le démon de l'argent. Pepo ya matériel. Amen. Le démon matérialiste. Ni mbaya sana. C'est un mauvais démon. Que na mtu anaweza kutia kisu juu ya 2 dollars. La personne peut même te poignarder. Te poignarder à cause de 2 dollars. Na ukiona mtu aliokoka ku dossier là. Et si tu trouves quelqu'un qui est sauvé sur le dossier là. Ni mtu. C'est une personne. Ah, alléluia. Frère Branham alisema mutumishi wa kweli. Frère Branham a dit qu'un vrai serviteur. Anapashwa okoka kwanza mu bitu bitatu avant okoke mu byengine. Amen. Il doit être sauvé dans trois choses avant d'être sauvé dans d'autres choses. Un. La première, l'argent. Deux. Banamuke. Les femmes. Trois. La troisième chose. Kiburi ya utawala. La popularité, l'orgueil de pouvoir. Cheo, heshima. Cheo na maheshima. Le pouvoir. Kuna batu manavimbaka sawa madendo. Il y a des gens qui gonflent comme des dindons. Akipita. Quand il passe. Le pasteur passe. Mchungaji anapita. Yesu. Yo Mungu baba. Kufungula mulango ni kufungulia sawa guverneri. Pour entrer même dans la voiture, on va ouvrir la porte pour qu'il entre comme le gouverneur. Mungu we. Oh. Yo. Uko mutu. Ndio. C'est un homme. Uko mutu. Ndio. C'est un homme. Tu as dit que comme pasteur, je suis allé à chaque fois, je suis allé. Puis tu gagnes. Mais on veut le pasteur. Je prends mes affaires, je monte, je m'en vais. Laissez mes affaires, je vais monter avec. Qu'est-ce que je vais mettre à chaque fois, je suis allé à. Je prends mon sac et je pars. Ukizoea maheshima za sana, sana, sana. Amen, amen, amen. Habitué à de respect, respect. Siku banazikukosea, amen. Un jour qu'on va te priver ce respect. Utakorogana na batu. Tu vas te quereller avec les gens. Kiongozi ni wakushichanga na batu. Un responsable, il doit se mélanger avec les gens. Bajisikie kama. Il se sente que. Bako à côté d'un papa. Nous sommes à côté d'un papa. Oui. Na mudogo. Et les plus petits. Na maskini. Et les pauvres. Na tajiri. Et les riches. Na nani. Et n'importe qui. Asikie ke kukusemesha. Il doit sentir que te parler. C'est normal. Amen. C'est très normal. Kawaida. Amen. 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 Kuna batu kudunia unakutanaka unamujongea. Ema. Unawaza ni mkubwa na haiko hata mkubwa. Tu pensais que c'est une autorité et n'est même pas une autorité. Bengine unakuyaona. Les autres tu constates. Ni bakubwa mais habajulikane kama ni bakubwa. Alléluia. Les autorités mais ne sont pas connues telles que. Wewe unakutana mtu kuanza kusema français. Tu rencontres quelqu'un qui commence à parler. Ya makosa. 30 minutes 45 fautes. Pendant 30 minutes il a comique mais awez dit que c'est même français, mon Swahili. Il ne peut pas accepter de parler en Swahili. Yo, Yesué. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Hmm? Ah oui. Hmm? Muko hapa. Amen, amen. Vous y êtes. Muko hapa. Vous y êtes. Munyenyekee. Humiliez-vous. Amen, amen. Kupanda ukitaka pandishwa na Mungu, shuka. Mais si tu veux être élevé par Dieu, humilie-toi. Ukitaka shuka pandishwa utashushwa. Si tu veux te faire monter, on va te humilier. Amen. Amen. Amen, amen. Moïse na mwambia. Moïse dit à Pharaon. Nari nono. Même les orteils. Tuta beba. Nous allons le prendre. Utakoma. Ah, tuta kuachia kitu hapa. On ne te laissera rien ici. Frère Branham anasema. Frère Branham dit. C'est alors qu'Israël fut complètement délivré. Niposa Israël a achili walote. Sans laisser un seul sabot. Bila kuacha ata ukucha. Tout ce qui leur appartenait était délivré. Vyote vilivyokuwa vyao vili
leur famille, leur bien-aimé, et tout était délivré quand ils sont venus complètement sous le sang. Wakati walikuja kikamilifu chini ya damu. Deliverance totale, paragraphe 85. Ni ujumbe unaoitwa ukombozi mkamilifu. Mtaji wa makundi. Farao anabafukuza na kumwambia, "Alizao chasse leur dit, il vit maintenant. Hamutaki. Comme vous ne voulez pas. Kuacha mangombe. Abandonnez vos vœux. Na mambusi. Et vos boucs. Na mangombe sibape. Et les bœufs, je ne vous donne pas. Na mambuzi sibape. Et les chèvres. Na batoto horaende. Et les enfants n'iront pas. Na babibi tena horaende. Et même les femmes, je refuse. Mubakie sasa tu. Maintenant, restez. C'est moi qui décide. Ni mie ndio mtawala hapa. Oh Dieu. Allez, toka. Allez, quittez. Moïse anamwambia tutakwenda na vyote. Moïse lui dit, nous irons avec tout. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen.